锁定台视午间新闻，疫情趋缓的国家，相关的限制陆续松绑，民众也纷纷出门透气或是出游。在欧洲的比利时，有一间很特别的旅馆，它就盖在动物园里。入住的旅客隔着玻璃就可以跟海洋生物，像是海象或是北极熊近距离的互动。对于刚走出新冠肺炎阴影的民众来说，相当具有疗愈效果。小朋友隔着玻璃轻轻地抚摸着海象，这可不是电影场景，现实生活中就有这样的海景套房。Wel, hier staan we nu in de wereld van de koude, zoals wij het noemen, waar dus allemaal dieren voorkomen die dus leven in de Noordpool. Met hier de ijsberen die we zien.的瓦鲁斯，我们有泰尔，我们有兰迪尔，我们有瓦皮蒂。比利时的天堂动物园不但动物丰富多样，还有全球最特别的水族套房。园方在海生馆区盖了几栋建筑，要让入住的旅客有完全不同的体验。What is this here? Dit hier is een van de hotelkamers in Paradise. Want sinds kort kunt u dus ook slapen bij de dieren, zoals hier bij de ijsbeer. We hebben nog andere kamers, maar hier kunt u dus slapen en natuurlijk wakker worden met Billy de ijsbeer. 海象和北极熊隔着大片的透明玻璃对你招手，仿佛置身海洋世界的游客，跟可爱的海洋生物共度美好夜晚。睁开眼睛，一切如梦似幻。C'est un séjour en demi-pension, donc ça signifie que vous avez accès au parc le premier jour, le lendemain, et vous avez aussi droit à un repas, trois services le soir, un petit déjeuner le matin, et des moments privilégiés avec les animaux, notamment l'accès privilégié.Au parc, lorsque les visiteurs d'un jour n'y sont pas. 跟海洋生物近距离邂逅是不少游客梦寐以求的惬意生活，但没有任何隐私，可能是水族套房的唯一缺点。刘永伟编译。